Roscoff, l'activité de la pêche est importante parce que bon, on a le crié, il y a la mer, on a des atouts, on a une côte découpée, on a du poisson. J'ai fait ça pendant 30-40 ans. Maintenant, fini ma carrière, j'envoie les gens, les touristes qui participent à notre métier et qui voient ce que c'est la mer. Quoi. Étant donné que je ne peux pas me passer de la mer, je me suis remis à faire découvrir mon métier et puis ma passion aux gens. C'est sûr, la mer à Roscoff a eu beaucoup d'influence pour la pêche et les loisirs nautiques, mais elle a eu aussi beaucoup d'influence à l'intérieur des terres. Tenez, les enclos paroissiaux, par exemple. Ah, ces enclos, c'est une vieille histoire qui date du 15e, 16e siècle. Et d'ailleurs, bizarrement, c'est comme si la mer était venue jusque-là, parce que les gens d'ici cultivaient le lin qui servait à faire des voiles. Donc, ils exportaient ces voiles et ce lin sur l'Angleterre avec les ports à proximité. Et avec cette richesse, ils ont construit ces enclos. C'est un patrimoine unique en Europe. Et ça représente pour la Bretagne notre culture, notre patrimoine et notre identité. Mais la mer nous a laissé aussi un autre héritage, la thalasso qui est née ici à Roscoff et aujourd'hui qui a plus de 100 ans. D'ailleurs, si elle est née ici, c'est qu'il y a une bonne raison, c'est par la qualité et la pureté de l'eau. Et d'ailleurs, aujourd'hui, c'est toujours une référence. Mais moi, je connais un autre moyen pour se sentir bien. Je viens ici. Je suis sur la côte des Sables, exactement aux Amiettes. Une côte des Sables qui part de Tréflez à Roscoff. Une côte que je pratique régulièrement toute l'année, une côte qui me plaît, une côte admirable avec son sable et sa nature. Ce sable fin qui s'étend à perte de vue avec cette mer. Un moment de tranquillité. Ici, c'est Kerema, le trésor de la côte des Sables, que je connais particulièrement bien, étant donné que ma grand-mère habite à côté. J'y ai passé mon enfance et fait mes débuts à la pêche ici. De temps en temps, je viens me ressourcer parce que c'est un endroit idéal, un endroit protégé, une zone sauvage, et quand je reviens, ça me ressource.